23 diplomates russes et leurs familles sont arrivés à Moscou. Theresa May, qui affirme que ce sont des agents du renseignement non déclaré, leur avait donné une semaine pour quitter Londres. La première ministre britannique envisagerait d'autres mesures de rétorsion contre la Russie, qui continue de nier toute implication dans l'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergei Skripal. Nous sommes fiers de notre pays, explique la femme d'un diplomate. Je le répète, nous allons prouver notre innocence. Plutôt depuis Londres, juste avant leur départ, l'ambassadeur russe affirmait que la Grande-Bretagne violait les lois internationales en refusant de partager les informations tirées de son enquête. Il y a de nombreuses accusations que rien n'étaye. Et c'est vraiment une situation inacceptable pour un pays comme la Grande-Bretagne, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce sont les nouvelles réalités de la politique britannique. Le ministère russe des Affaires étrangères a invité tous les ambassadeurs étrangers à une rencontre ce mercredi à Moscou dans le but de clarifier sa position sur l'affaire Skripal.